Bon, pour toi. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le challenge des 4 maisons réalisé par Zoé sur la chaîne Les Bulles de Mots. Donc je vous mettrai son YouTube dans la barre d'infos. Voilà, donc le challenge consiste à lire pendant une semaine. C'est une semaine, hein? Oui. Du vendredi... 15 jours alors. Je sais pas. Ouais, mais ça fait pas une semaine. Ouais. Du vendredi 26 juillet au vendredi 9 août, 7 livres ou 4119 pages. Dedans, il y a plein de catégories avec des bonus. Voilà, il y a 15 catégories. Donc, on va commencer par la première. Donc, Enola le refait cette année encore avec moi. Ouais. Voilà. Donc, moi, team Pouf Souffle. C'est ça? Mais là. Et moi, team Gryffondor. Et voilà. Donc, battle. Donc le premier, c'est un livre qui se passe dans le monde réel. Donc moi j'ai choisi La petite boulangerie du bout du monde de Sophie Kinsella aux éditions Pocket. Voilà pour moi. Moi j'ai pris 3 de tes secrets de Julie Buxbaum. Que j'ai déjà lu 3000 fois. Non mais c'est une trop belle histoire. Ouais. Ensuite, dans le 2, dans Avada Kedavra, c'est un livre où la mort est présente. Donc j'ai pris La faucheuse de Neil Schusterman aux éditions Je ne sais pas. Voilà. Ça sera pas grave. Dans ma palle depuis très longtemps, toujours pas lu. Moi je vais prendre Charlie Davidson de Darinda Jones. Voilà, avec des morts elle aussi. Ouais. Dans le 3, c'est Nimbus 2000, un livre à lire en une journée. Alors moi j'ai pris, voilà, que je ne me trompe pas. Les fantômes de Maïdela Lane, tome 4, L'homme de l'ombre d'Elisabeth Hoyt aux éditions Livre de... C'est j'ai lu, hein. Voilà, j'ai lu pour elle. Voilà, j'en suis déjà au tome 4. Moi, ben, j'ai pris Les Blondes, tome 3. Voilà. Alors, une journée, une 40 minutes de temps. Hein. Voilà, c'est clair. Voilà, ça, c'était le 3. En 4, c'est Pierre Philosophale, un livre intemporel très connu. Alors, moi, j'ai pris Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder, aux éditions Gulfstream. Voilà, bon, il est connu, très connu, archi connu, toujours pas lu, comme d'habitude. Ben moi, ben, j'ai pris la base, hein. Les Potter à l'école des sorciers, J.K. Rowling. Voilà, voilà. Ensuite, en cinquième, nous avons Première année, un livre jeunesse. Eh ben moi, j'ai pris Harry Potter. Non, j'ai pas pris ça. J'ai pris celui-ci, Cœur cerise de Cathy Cassidy aux éditions PKJ. Voilà, il est tout petit. Toujours pas lu non plus. Bon, moi, c'est The Mortal Instrument, le tome 3. Sauf que du coup, je l'ai en PDF. Voilà, donc alors un e-book, je vous mettrai la photo. Ouais. Attendez, je vous mettrai la photo là. Sinon, on va la voir en plein milieu. Voilà. Ensuite, en 6, c'est Hermione, un livre qui fait plus de 400 pages. Alors, j'ai pris Une saison à la petite boulangerie, donc là c'est le tome 2 du coup. Voilà, parce qu'il fait, il fait 483 pages. Bon, moi j'ai pris Mercy Thompson, le tome 3, de Patricia Briggs. Trop bien cette saga. Ouais. C'est génial ça. Ouais. En 7, Gazette du Sorcier, un livre d'actualité. Alors j'ai repris pour la deuxième fois, du coup, Les Outrepasseurs. Parce qu'on a le droit de prendre un livre pour deux catégories. Voilà, c'est le seul dans ma liste à moi. Elle non, moi oui, j'en ai qu'un. C'est à toi. Ben moi j'en ai pas, pour l'instant. Ah t'as pas pris un livre d'actualité? Livre d'actualité. T'en as pas dans ton... Non. Non. À part si je te prie. Après Phobos il est connu aussi, hein. Je peux le mettre dedans peut-être. À moins que tu l'aies déjà mis deux fois. Je sais pas. Non, je l'ai pas mis deux fois. Bon, on verra. Ouais. On verra. Ensuite, en 8, c'est Dragée Surprise, un livre où tu ne sais pas à quoi t'attendre. Alors, j'ai pris Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Et moi, j'ai pris aux éditions Harlequin. N'importe quoi. Aux éditions France Loisirs. Voilà. Et moi du coup j'ai repris Charlie Davidson. Ouais. Que j'ai mis dans sa deuxième catégorie. C'est ça. En 9, c'est Polynectar, un livre dont l'héroïne est très éloignée de toi. Donc moi j'ai pris Charlie Davidson, le tome 3, que je vous mettrai aussi ici.
C'est la suite. Ben moi, ben j'ai repris. Merci Thompson, tome 3. Voilà, ouais. Vous voyez comment elle triche. Elle aura moins de livres que moi. Alors en 10, on a Transplanage, un livre de littérature étrangère autre que anglo-saxonne. Alors j'ai pris, il est toujours caché, Noé et moi de Delphine de Vigan. Voilà. Voilà. Tout petit celui-là. Moi j'ai pris L'Attentat, qui est encore en PDF. Ouais, alors je vous mettrai encore là. Voilà. Ensuite, en 11, c'est La Prophétie, un livre qui parle ou qui se passe dans le futur. Et bien du coup, j'ai pris Phobos, tome 2. C'est dans le futur et c'est dans l'espace. Alors, ouais. Moi j'ai pris Phobos, mais tome 1. Ah oui, coup. Voilà. Du coup, elle va découvrir. Voilà. En 12, c'est Patronus, un livre joyeux qui repousse les mauvaises ondes. Alors là, moi j'ai rien trouvé, hein. J'ai pas de livre humoristique, n'est-ce pas? Donc j'ai pris une BD, Les Campeurs, voilà, pour rire un peu. Voilà. Moi c'est pareil, mais j'ai repris Les Blondes. Voilà, la première c'est Blonde. Voilà. En 12, non pas en 12, en 13, nous avons Animaux Fantastiques, une suite, un spin-off ou un préquel de saga. Alors j'ai pris le tome 3. D'Alexia Tarabotti, Sans honte, de Kyle Geiger. Voilà, bah, c'est le tome 3, c'est une suite. Hein. J'ai pris Mercy Thompson, Ombre mouvante, qui est un spin-off, préquel, je sais pas. Ben, c'est plein de petites histoires. Non, alors un préquel, c'est avant la saga. Ah, voilà. Un spin-off, c'est inspiré de personnage. Ben, c'est comme Alpha et Omega. C'est un spin-off, ouais. Parce que c'est... Voilà. Mais c'est la suite, c'est plein d'histoires, c'est la suite. C'est un hors-série normalement. C'est des scènes coupées de livres. Oui, voilà. On peut dire ça comme ça. Ensuite, nous avons en 14, Pansine, un livre historique. Alors, j'ai pris Les Sœurs d'Irlande, tome 1, Elisa la Rebelle, de Laurel McKee, aux éditions J'ai lu pour elle. Voilà, j'adore les romances historiques. Moi, j'ai pris Le Guerrier Irlandais, de Chris Kennedy. Voilà. Et en 15, nous avons Dumbledore, un vieux livre publié avant le 21e siècle. Donc j'ai pris Harry Potter, le tome 1 à l'école des sorciers de J.K. Rowling, ou les éditions Gallimard. Mmh. Voilà, qui a été édité en 1997. Ouais. Moi j'ai pris Jane Eyre. Jane Eyre, oui. Je sais pas trop comment... Ouais, Jane Eyre, ça sera. Jane Eyre, voilà. Elle a jamais lu, ça va lui faire du bien, parce que c'est très bien ce livre. Ensuite, en bonus, nous avons la relecture d'Harry Potter qui nous amène 20 points. Donc moi, je vais reprendre celui-ci. Voilà. Et la petite, elle va prendre celui-ci. Voilà. Bonus élu, donc c'est si on a pris un livre où on parle d'Harry Potter. Là, moi, je n'en ai pas. Ou alors, je sais pas, je vais découvrir. Mais elle, elle a... Oui, les trois de tes secrets. Voilà, on parle d'Harry Potter dedans. Ouais. Ensuite, il y a le bonus liste de recommandations. Moi, personnellement, j'en ai pas pris. Moi non plus. Elle non plus. Et bonus équipe, c'est si on lit le livre donné pour la maison. Donc moi j'en ai, moi je l'ai pas parce que c'est Les Cerfs-Volants et je l'ai pas. Et elle est là parce que c'est Jane Eyre. Pour Gryffondor. Voilà. Et bien voilà. Et bien écoutez, ça commence demain. Donc bonne chance, bon courage, bonne lecture et que le meilleur gagne, n'est-ce pas? Oui. Tout à fait. À dans 15 jours, oui. Oui. Au revoir.